Et. Oh, what? C'est dans le trou? Ben non! Wow! Bonjour tout le monde, ici Ikmael, puis aujourd'hui je vais vous faire un test et un giveaway pour le jeu Golf Plus. Le jeu Golf Plus, en fait, auparavant il s'appelait Top Golf with Pro Putt, mais étant donné qu'ils ont eu un nouveau contrat avec la PGA, un moment donné faire un nom Top Golf with Pro Putt with PGA, ça commençait à faire un peu long, fait qu'ils ont changé pour Golf Plus. Je vais faire un petit test du jeu, donc je vais jouer quelques trous. Pour le test du jeu, je vais utiliser un manche de golf qui a été 3D printed de Jason Ward. J'ai déjà fait affaire avec lui sur la page, puis il a déjà fait un giveaway sur le groupe. Donc, dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers les produits qu'il vend, si ça vous intéresse d'acheter un manche de golf pour votre Quest 2. Donc, pour le giveaway, j'ai 3 copies du jeu à faire tirer. Pour avoir une chance de gagner, vous allez devoir vous rendre sur le lien du giveaway, qui est une publication dans le groupe Facebook MetaQuest 2 Québec, dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, il va falloir que vous aimiez ma publication et que vous écriviez dans les commentaires Golf Plus. En ce moment, comme vous pouvez remarquer, j'essaie de faire grandir ma chaîne YouTube. Donc, si d'ici la fin du tirage, je suis rendu avec 75 abonnés, je vais tirer 2 copies supplémentaires du jeu. Donc, ça va faire 5 copies du jeu Golf Plus, ce qui est quand même pas mal. Donc, merci énormément si vous vous abonnez à ma chaîne, puis j'espère que vous aimez mon contenu en même temps. Donc, c'est parti, puis je vais vous montrer un peu de gameplay de Golf Plus. Bon, on va faire quelques trous au Cliffs Course. C'est la première fois que je joue au course, là. Donc, soyez clément. C'est vraiment beau, honnêtement. Je dirais que la qualité des graphiques ressemble pas mal au jeu Golf 5 E-Club. On va voir comment que le ressenti est dans le jeu. Pas pire, ça. Et mon dieu, c'est un parquet, ça? Je viens de drop a bomb. Ok, un low wedge. Mon small game, ça a toujours été ma faiblesse. C'est pas si pire. Birdie, on va y aller. C'est pas assez fort, ça. Ok. Prochain trou, passe 5, 491 verges. On y va avec le driver. Je pense qu'il faut faire par là-bas. Ah, ok. Quand on pèse sur le bouton, le grip button, ça nous enligne un peu où on frappe. Je dirais par exemple que je trouve moins réaliste si je peux choisir les coups que je fais au lieu de juste les faire. J'ai l'impression que là ça atterrit tout le temps dans le petit cercle qui est là. Je trouve ça un peu moins réaliste. J'aime un peu moins ça. Mais bon, il n'y a rien de parfait. Ok. On est à 214 verges du trou. Le fer 3, ça fait 208 verges. On est bien aligné. Ça va être pas pire. Il n'y a pas de vent du tout. Reste sur green. Ah, non, pas dans la trappe.
Merci. OK. Là, on va voir un peu des ailes, là. Voyons. Et c'est fort! Yep, là. Je me suis vraiment pas donné. Ah ouais! Yes! Good job! C'est vraiment le fun pour vrai. Ok, ce trou-là, un port 4 de 335 verges. On va prendre le driver. Si on fait un bon coup, on devrait se rendre sur le bord du green. Ça. Ok. 60 verges. Ça, c'est presque un full swing. On va y aller pas trop fort, mais avec une certaine force. Wow. Presque un tap-in birdie, ça. Ok. On y va, on y va. Je suis capable de manquer ça, je l'ai montré tantôt. Reviens, reviens balle! Ah. Un port. Oh, un petit port 3, ok. 165 verges. J'ai un fer 7 qui fait 174. Fait que techniquement, il ne faudrait pas que je fasse une swing complète. Mais presque. On va voir ce que ça va donner. Ok. Ça a bien été. Si j'ai ça, je suis une légende. Hé, c'est fort! Hé! Mon Dieu Seigneur! Au moins. Je me suis mis dans l'embarras, comme Martin Matt. Moi, c'est vraiment beau, ça, comme jeu. Et. Oh, what? C'est dans le trou? Ben non. Wow. Comme je l'ai fait envoler direct dedans. Je peux-tu l'avoir? Replay. Wow, quel beau coup! Légendaire. Là, je ne sais même plus où devant. Là. Je pense que c'est là devant. Ok. C'était génial ça. C'est vraiment bien fait. Pour vrai, c'est bien fait. Les décors sont beaux. Le gameplay est le fun. N'importe quel amateur de golf, d'après moi, il va aimer ce jeu-là. Donc, je vous renvoie à la fin de ma capsule. Bye bye! Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Pour finir, je trouve que le jeu Golf Plus, avec les nouveaux 18 trous, j'ai l'impression que le jeu il est peu réaliste. Personnellement, j'aime mieux les jeux de golf qui sont réalistes. Donc, de ce côté-là, il a perdu des points. Par contre, étant donné qu'ils ont une affiliation avec la PGA, je pense qu'il y a vraiment des beaux 18 trous qui s'en viennent, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, merci énormément d'avoir regardé ma vidéo. Je vais vous souhaiter bonne chance pour le tirage, puis on se dit à la prochaine. Bye.